Quedan, a ver, 10 minutos por más. ¡El Urus! Ya, тоже. Да, вон она. О. Вода какая прозрачная. Mira.
exclusiva y hay una gran abundancia de peces y otros organismos. Asimismo, su parte terrestre se ha convertido en un paraíso vegetal y ornitológico por excelencia. La vena chica o vena petita, vena pequeña, separada de la vena gran por el freudo, presenta características muy parecidas a la vena gran. Con pendientes suaves a poniente y acantilados a levante, sobre el puertecillo hay importantes túneles y cuevas de lado a lado. Esta isla tiene una superficie de poco más de 2,5 hectáreas y una altura de 67 metros, más por tierra son Alcalá de Bernal, que es la roca más abrupta de todas, con una altura de 72 metros y que está totalmente descolorida. Los tascons grossos y los tascons petits son unas rocas con forma de cuña que deben sus nombres a las aristas inclinadas de sus partes superiores. De los siete islotes, aunque es una losa de grandes dimensiones que hace de puente entre la mera patita y los tascones. Les sept petites îles rocheuses qui forment les îles Mèdes sont Mèdes, un curieux rocher très escarpé, connu également sous le nom de Botte, pour sa forme si caractéristique. Cet îlot, qui semble petit apparemment et qui le paraît encore plus grand, a en réalité une hauteur de 25 mètres de longueur. La baie de Grane est la plus grande parmi celles qui forment l'archipel. Elle présente une morphologie qui nous rappelle en grande de forme, avec des formes peu ou très accidentées selon le côté oriental ou occidental. Sa partie supérieure forme une petite plaine sur laquelle est situé un phare qui fonctionne d'une manière totalement automatique puisqu'il est inhabité depuis très longtemps. Elle a une superficie de presque 19 hectares et une hauteur maximum de 75 mètres. Le côté ouest de la Médagrane, en trois heures, est le plus approprié pour observer le milieu sous-marin, puisque les poissons et autres organismes y abondent. C'est là que se trouve le tunnel de la Baca. D'autre part, la Mera Chica ou la Mera Petita. Séparée de la Mera Grande par le Frodo, elle présente des caractéristiques très semblables à celles de la Mera Grande. La Mera Chica présente des pentes douces à l'ouest où se trouve une petite crique et des pentes abruptes à l'est avec une extrémité.
Thank you.